Jésus. Je ne me suis pas levé un matin. Je n'ai pas été séduit par un verset biblique. Vous dites non, un verset m'a séduit. Si je meurs, je vais aller en enfer. Donc j'ai eu peur, je suis allé à l'église. Non. Ce n'est pas un verset qui m'a envoyé à l'église. Jamais un verset allait m'envoyer à l'église. Moi, tu as parlé de Jésus, ça ne m'intéressait pas. Elle parlait d'aller à l'église. J'appartiens déjà à une religion. Chez moi, je suis sauvé. J'appartiens déjà à une religion. C'est quand j'étais maintenant dans les problèmes de sorcellerie, qu'une de mes cousines m'a parlé de Jésus. Je suis allé à l'église et fait l'expérience avec un pasteur, ça n'a pas marché. Oui, parce que lui, il voulait me parler, il voulait me convaincre. Non, les versets, je lui ai dit, je vais venir, pasteur, pour que vous ouvrez une Bible, vous parlez devant moi ici. Non, je ne peux pas venir pour prendre la Bible, tu vas venir parler devant moi. Je suis malade. Les sorciers veulent me manger, on fait comment? Tu vas venir parler du verset biblique, non, les sorciers. Et Jésus est mort à Nazareth, il est ressuscité là. Ça ne m'intéressait pas. Mon seul problème, je suis malade, sorcier veut me manger, on fait comment? Tu me délivres ou pas? Tu me délivres ou pas? Oh, le pasteur veut me convaincre. Je dis non. Là où nous sommes arrivés, ce n'est pas un verset qui va me convaincre. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'église. Et c'est une des camarades, ma cousine, qui va me parler. Elle me dit, quand elle m'a parlé, je suis l'église, je dis non. Votre église, je ne crois même pas à ça. Elle dit non, je te demande de faire une expérience avec Jésus. Demande à Jésus-Christ de te montrer tous ceux qui sont là-bas, tes problèmes. Il dit Jésus de là. Oh, j'ai banalisé. Oh, j'ai voulu quand même essayer. Mais moi, je voulais dire. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit Jésus. Jésus, si tu existes, vraiment, c'est qu'elle me dit là. Si tu peux le faire, il faut le faire. Montre-moi. J'ai banalisé ça. J'ai dormi un jour de quatrième nuit dans mon sommeil. J'ai vu les sorciers de Nyalé Gribo, les sorciers. Je me poursuis, le voici, dans les bêtises bizarres. Je me poursuis comme à rattraper. On m'a attaché. Elle me met en place. On prend une flèche. Je charge. On enlève la lance, la lame, la reste à moi. Dans mes côtes. C'est trois trous que je me suis réveillé. Une heure du matin. J'ai dit non, cette histoire. Oh, j'avais ces problèmes au niveau des poumons. Je faisais une infection pulmonaire. J'avais des difficultés de respirer. La nuit, c'était grave. J'ai dit ah, je viens de vivre une expérience sérieuse. Donc, j'ai cherché la soeur. Matin, j'échange avec elle. Elle dit, bon, ce que tu vas faire, tu connais quelqu'un quand tu vois, il dit oui. Elle dit, appelle la personne qui te donne le nom de toutes ces choses. Et regarde, tu as vu. Effectivement, je rentre en contact avec mon nom. J'essaie d'appeler mon oncle. Dès qu'il a abordé le sujet, la crise, quand il parle de lui, il dit, c'est le sorcier, tu vas fouquer lui. Vous savez, dans les villages, il a dit, ça, qui est sorcier, qui est fait. Il ne sait pas quel discernement ils ont, mais ils savent que lui là, Nyawa Kobo Kitame. Oui. C'est diable. Nyawa Kobo Kitame. Que lui. Quand il fait le portrait, il reconnaît exactement. Tu vois, non, le monsieur, le toit funéraire du vieux, qui avait un chapeau, il a un chapeau rouge, bizarre. Puis on va l'emmener, on va se manger. Oh, il fait sorcier. Confirmé par lui-même, mon oncle. J'ai dit non, vous savez, je l'ai managué. Tu m'as demandé les noms. Doucement, doucement. Il dit, fais attention. Hein. Oh, c'est moi qui devais gérer les dossiers. C'est à moi qui devais faire attention. Ils m'ont donné le nom. J'avais le nom. J'ai vu la sœur. Elle faut prier. Ah, mais c'est qui prier? Qui sait même pas prier? Celle qui me presse sa Bible. Elle peut l'attaquer le combat. Comme j'ai vécu une première expérience avec elle, j'ai tenté la deuxième expérience et ça marche. L'oncle m'appelle pour dire, ah! Un jour, tu m'as appelé, tu as demandé, tant dans son corps est passé, là. Ils sont en train d'envoyer la mort. Ouh, je suis content. Il dit, hey, pourquoi il est mort? Oh, dans mon cœur, c'est ça, je voulais. J'ai dit, hey, le vieux est mort comme ça. Oh, je voulais ça. Je voulais qu'il meure. Il dit, dans le de Dieu, là. Pas rentrer dans le christianisme, on dit non. Jean 3, le verset 7. Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils, il dit. Afin que quiconque
Ne fait quoi? Il fait qui est la vie? Il dit, la vie éternelle, hein? Mal église. Non, non. Ce n'est pas un verset qui m'a séduit. Non. C'est Jésus même, il m'a démontré A plus B qu'il est puissant. Amen. 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 Ce n'est pas de l'orgueil. Il dit, ce n'est pas n'importe qui Dieu se révèle. Quand m'a dit, je dis, mais où les pasteurs parlent? Non, non, ce que tu fais, est-ce que c'est biblique? Il dit, ok. Toi, ce que tu fais, c'est biblique. Là. Tu as une fois vu Jésus? Il me dit, bon, la guerre, ça veut dire quoi? Il dit, mais est-ce que tu as une fois vu? Non, je n'ai pas besoin de ça. Ok, toi, tu n'as pas besoin de ça. Hein. Mais c'est une expérience que tu dois faire. L'apôtre Paul dit qu'il a vu plusieurs fois Jésus. L'apôtre Paul. Quand c'est Jésus, c'est révélé à n'importe qui. Tu avais me demandé un verset biblique. Si c'est la Bible, il connaît ça. On a eu la même école. Je suis en train de parler la puissance de Dieu. Quand vous arrivez dans une autre dimension de la puissance, la haute puissance, d'une autre dimension de la spiritualité, les gens vous prennent pour des mystiques. Dites, mais Dieu, vous le connaissez. C'est ce qu'il dit aux gens. Est-ce que vous n'avez pas vu Dieu? Pour dire, non, c'est comme ça il est, c'est comme ça il fait. S'il ne fait pas ça. Je disais comme aujourd'hui à des soeurs en Arava, j'ai dit, est-ce que vous savez que Satan, il n'a fait que copier Dieu? C'est-à-dire, il exactement ce que Dieu fait. Il détient ce pouvoir-là de qui? De Dieu. Il détient ça de Dieu. C'est parce qu'il l'utilise ça très mal. Or, si vous cherchez l'onction, vous serez plus puissant que ces gens-là. C'est-à-dire que Jésus a la capacité de parler à la nature, à l'océan. Il parlait à l'océan, il a parlé à l'océan. Il a calmé l'océan. Jésus a marché sur la mer. Amen. Amen. Jésus a parlé un mort qui avait 4 jours dans le tombeau, il est sorti vivant. Ne limitez pas Dieu dans la manifestation de sa puissance. Ah, toi, tu déterres Canary. Et ce n'est pas fétiche. Mais en quoi c'est mauvais si je vais déterrer Canary, des sorciers, et puis un village est libéré? C'est mauvais comment? Or, la Bible dit qu'il y a diversité de noms. Donc, quand Jésus-Christ s'est révélé à moi, après avoir détruit tous ces sorciers, j'ai vu Jésus qui est descendu du ciel. Amen. Je lui ai dit, Jésus. Vous voyez, quand j'ai fini l'étape, je lui ai demandé, Jésus, guéris-moi. Si tu me guéris, je vais te donner ma vie. Est-ce qu'on sait que j'ai vu Jésus qui est descendu du ciel? Jésus est descendu. Il m'a regardé. Et puis il a commencé à parler. Amen. Ce qu'il dit aux gens. Je ne dis pas le même matin, il faut qu'il y ait l'église. Mais l'église vous dit, non, il me prend la Bible, il m'a à l'église. Et moi, on va parler d'église. J'espère qu'il a fait d'église. Pourquoi il prend la Bible matin pour dire non, je suis fâché, je vais à l'église prier Jésus. Pourquoi? C'est Jésus qui s'est révélé à moi. Parce que je voulais savoir s'il existait exactement. S'il pouvait me délivrer. C'est ce qu'il a fait. Je ne suis pas venu dans les expériences des gens. Vous êtes levé matin, vous dites non, je suis appelé. Ok, ça c'est ta conviction. Moi, lui-même m'a dit, viens faire mon travail. Donc toi et moi, on est différents. Amen. Amen. Ne m'attaquez pas parce que si vous m'attaquez, vous allez avoir problème à Jésus. Jésus s'est levé. Ce que tu as le plus difficile, je sais maintenant, je comprends pourquoi il s'est révélé à moi. Parce que ça m'a amené à avoir une grande foi en lui. Vous voyez, quand vous rencontrez Jésus, celui qui a vu Jésus, celui qui ne l'a pas vu, n'ont pas la même dimension. C'est ça que moi aussi, je me dis, pour marcher la nuit, aller en aller avec je peux le faire. Sans problème. Je mets dans le village où tu attends. Le bruit, tu me disais, c'est sorcier quand elle est passée avec elle. Tu sais ce qu'on a monté dans la région. Quand je suis allé attraper le dragon chez eux là-bas, il y a un truc. C'est pas tout qui est sur le YouTube. YouTube, c'est 2012. Nous, on a commencé 2006. Si vous voyez l'onction brute au départ, là, vous allez crier. C'est comme on a vécu. Je mets ma main, mes deux mains se rentrent dans un trou. Tout ça là. Moi, je suis bloqué. Ma partie, là, celui qui est bloqué comme ça. Dans le trou. Ceux qui disent combattant, Satan, Sabésies. Ils ont fui. Où éternel notre. Ils sont partis. Le professeur est là. En train de lutter. Et le dragon. Oui. Là, il a crié quand il a poussé un grand cri. Là, ils ont regardé le même deux parents là. Ils sont dans un trou. Où jouez le monde spirituel? Le monde spirituel, c'est pas un amusement. Un fétiche qu'ils ont enlevé d'ici, de Libéria. Ils ont mis dans un coin. Les guéris sont là, ils ont caché le, gardé le fétiche dans une panneau. Qui tente de tuer tout le monde, c'est ce fétiche que je suis allé prendre. Quand il a saisi, ça m'a montré qu'il est là, bien pour moi. Mais
Mais Dieu, mais je suis là. Combattant, il était chaud, hein? Sans fusiller, sans épée. Où éternel notre. C'est comme ça, ça commence à diminuer. Où éternel. Un à un, chacun se cherche. Je vois la salle est vide. Il n'y a plus de bruit dans la salle. Le prophète lutte seul. Dans le trou. Il est en train de lutter. Le prophète, il fait sortir les fétiches. Donc, c'est comme vous voyez dans le YouTube. Là. Ça, c'est nouveau. C'est pas moi qui ai voulu commencer ça. C'est pas moi, c'est rien qui dit non, si tu mets, ça va aider les gens et puis tu vas les délivrer. Et c'est comme ça, sans doute. Oui, c'est comme ça. Donc Jésus, j'ai vu Jésus. Et Jésus m'a dit, voici mon travail. Je suis vivant. J'ai entendu la voix de Jésus qui m'appelait à son ministère. C'est pour ça que personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut m'intimider. Personne. Plus tu parles, tu m'intimides de lui être dangereux. Demandez aux sorciers de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez aller à Wemassi d'autres cieux, j'irai faire cette expérience. J'ai été appelé par Dieu. C'est ce qu'il dit aux gens. Je respecte votre ministère. Si vous voulez, vous ne respectez pas mon ministère. Moi, je suis convaincu que j'ai été appelé. Ce n'est pas une conviction. Hein. J'ai vu Jésus. Ce n'est pas une seule fois, plusieurs fois. J'ai eu plus de 20 fois Jésus. C'est des expériences que j'ai vécues avec Jésus. Toi, tu viens, tu lui dis, tu le vois un esprit. Je le vois un esprit. Moi, c'est différent. J'ai vu Jésus. Nous, encore, on appelle ça bébé. Bébé. C'est pas on parle. Amen. C'est pas n'importe qui, c'est pas un démon. J'ai vu Jésus. J'ai vu des anges plusieurs fois. C'est ça qui m'a rassuré. Quand Jésus m'a consacré pour dire je te consacre au ministère, j'ai vu des choses sortir de moi. Et c'était ma délivrance. J'ai senti que Jésus était en train de délivrer. Parce que je voyais tomber les fumées, sortir du champement, les fumées noires. C'est comme ça que j'étais délivré. Et puis Jésus m'a consacré au travail. Je me suis réveillé, j'ai vu le sang. De lui sur mon corps. De lui, là, sur mon corps. J'ai vu quelque chose dans la chambre. Panique. Je me lève pour l'appuyer sur l'interrupteur, puis la femme de voix audible. Et j'ai vécu trop de choses avec le monde spirituel. Quelque chose m'a touché comme ça dans le salon. Dans ma chambre, il dit, n'aie pas peur, je suis Jésus. Je confirme. Ce que je viens de voir, c'est moi, Jésus. Je t'ai appelé pour la destruction du ministère des œuvres du diable. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Jésus a introduit le détecteur. Je vis avec l'appareil dans ma tête. Les gens veulent que j'explique. J'ai dit, mais si j'explique, c'est plus un truc. C'est dans ma tête. Donc quelqu'un qui vient de faire un accident. Et qui vit avec, on l'opérait, et puis on a soudé des os qui vient un fer. C'est comme ça, je vis à quelque chose dans ma tête. Que tu ne comprennes pas, tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, les choses de Dieu, là, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Je vais t'expliquer, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est dans ma tête. Quand ça se déclenche, moi-même, je dors, ça fait tant que je dis, par exemple, je dors. Quand les gens passent derrière ma maison, ça te déclenche. Je lui dis, pardon, je dors. Je finis par maîtriser ça aujourd'hui, le détecteur. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je maîtrise ça, je vis avec ça. Donc Dieu m'a appelé à ça. Chacun a son don. Chacun a son don. Moi, je ne fais que ça. Mais comment toi seul, tu guéris, mariage, tu fais tout. Et qu'on appelle les sorciers, tu as peur. Oh, ce n'est pas n'importe qui va s'y mettre toi. Donc je rappelle l'histoire parce que Jésus m'a dit. J'ai une alliance entre toi et moi. Aucun féticheur ne pourra te détruire sur la terre. Aucun exorciste. Donc, dans le village, quand j'ai vu le désert, je ne voyais plus le village, j'ai rappelé ça à Jésus. Il y a quelque chose d'incroyable qui existe. C'est comme ça. Jésus m'a dit, regarde à côté. J'ai vu deux cocotiers jumelés, puis j'ai vu tout ce qu'on a mis le village. Et puis il m'a dit, j'ai dit aux gens, abattez-moi les deux cocotiers. Quand j'ai battu les deux cocotiers, j'ai vu le village s'installer. Je suis rentré dans le village. Et puis une dame qui est venue me dit. Elle veut saluer, il faut vous saluer. Tu ne sais pas où j'ai quitté. De grosses gouttes. Et j'ai rien, la lagune derrière. Toi, tu vas te retourner. C'est le maréchal anti-manger d'art. Tu vas retourner. Tout le grand là-haut, toute la côte du bois écoute, vous dites, il est où? C'est là-bas, il est parti. Il était tué.
les gens s'attendaient à ping pong ping pong ping. Et donc, on m'a envoyé ping pong. Oh, ils savent que sur le territoire là, là tous ceux qui passent là-bas, défaite. Amen. Ma vie de prouver l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui m'a parlé. Je l'ai mis à l'épreuve. Il n'a pas été resté seulement à dire d'évangéliser. Amen. Je sais qu'il dit aux gens, vous êtes aux États-Unis et c'est vous qui attaquez les gens. Vous n'avez jamais évangélisé dans un village. Venez évangéliser. C'est quelle jalousie. Où on travaille pour Dieu. C'est vous qui nous attaquez. C'est vous qui parlez mal de nous. C'est vous qui... Mais nous, on n'est pas là pour ça. C'est vous qui cherchez la reine. Nous, on évangélise. On attaque la sorcellerie. Donc, dans le village, la Bible est venue me dire, elle dit, c'est elle. Le restaurant, elle tient un restaurant. La chair humaine, la partie tu veux là, elle te donne ça. Du moins cher foufou. Sauf que. Du moins cher quand tu es rassasié. Hein? Les gens commencent à parler. C'est comme ça. Dans l'opération, les gens commencent à tomber. J'ai l'air comme ça, un gars qui est venu me défier, me regarder. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, t'es, on m'a dit, tu es crasseux. Il dit, toi, tu parles. J'ai rien dit. Il me provoque. Toi, il me provoque. Mais il y a un homme de Dieu, papa, tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu se fâche pas. J'ai dit, mais c'est qui fâché? C'est qui a commencé son pas là. Il m'a lui parlé. Il a commencé à me menacer. Je lui ai dit, ok. Vous êtes où? Il dit, tu te lèves. Il dit, ok. C'est de moi vous parlez. Quand il est ma mère, à terre. Il se lève quand il est comme drogué. Il a commencé à saigner des oreilles, de la bouche et des dents. Trois jours, on a rentré. Donc, tu as venu me défier pour dire je suis qui? Je vais te montrer que je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Ah oui. C'est ce qu'il dit aux gens. Je suis né, moi, mon ministère là, c'est pour démontrer la puissance de Dieu. Vous êtes là, vous êtes là pour expliquer les versets. Moi, je ne suis pas là pour expliquer les versets. Je vous démontre, je vous explique la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Puissamment à l'œuvre, le village. Jusqu'à ce qu'on a vu là, dans une maison, le sang humain, ce n'est pas un esprit, une bouteille de sang humain. C'est comme ça la presse a balancé cette image. En 99, dans les journaux. On m'a dit, ah, j'ai dit, je ne crois pas. Oh, j'avais un journaliste là. Et c'est parti comme ça. Ils m'ont appelé, ils ont dit, mais on dit que tu attaques les sorciers. Sorciers, là, tu connais sorciers. Il y aurait déjà un programme dans tel village. Ils sont tous déportés, tous les journalistes. Ils ont vu ce qui s'est passé. Bah, c'est la presse, hein. C'est pas moi. C'est la presse. Oh, à cette époque, ça, la politique n'intéressait plus les gens. Quand ils commençaient à lire les choses, ah, c'est bon, c'est parti. On m'invitait dans les villages ici, je partais dans les villages. Est-ce comme ça que je suis parti? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas rencontré? Non, lui, là, c'est pas un magicien. Moi, j'avançais. Oh, Dieu nous a pu seulement utiliser pour délivrer beaucoup de villages. On a des aveux à couper le souffle. Une fois qu'a Dieu 1732 personnes sur la couille, mon Dieu, 1732, on a délivré beaucoup de personnes. Amen. Amen. Délivré beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on est rentré chez les Didas, des mangeurs de chair humaine. J'étais une femme de. J'étais à Dalouane qui m'a appelé pour aller gérer un dossier. Elle devait mourir, cette femme, Elisabeth. Et c'est comme ça. Elle m'a eu au téléphone, ça n'a pas été facile. Hein. Mais je l'ai expliqué comment ça allait se passer. Et j'ai même dit, Saroko, c'est l'endroit où je vais puissamment travailler. Je suis convaincu. Parce que c'est ce qu'il a vécu là. On a vécu trop d'attaques avant d'arriver à ça. Je vais expliquer, il est dans ta cour, voici. Si j'arrive dans la cour, voici ce qu'il va faire. Et nous, j'attendais ça. On est arrivé à Zaroko, on a commencé à évangéliser. Paf, on était confrontés à des sorciers qui sont venus nous essayer. On a pris les sorciers là. Je suis allé dans une maison. Vous avez déjà mangé une chaîne, paf. On a détruit le canari. C'est parti comme ça. Quand on a commencé, ils ont appelé le prophète à quitter le village. Oui.
Ils ont appelé le préfet, le prophète a quitté le village. Ils ont pris un truc. Vous savez, nos juridictions, là, malheureusement, franchement, je suis en train de discuter les gens, ils ne condamnent pas la pratique de la sorcellerie. Or, ça existe. Nos lois, là, ça a été vraiment importé. Oh, il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. C'est une réalité. Vous devez faire des lois en fonction de nos réalités. Bon, le préfet est venu, se trouve à l'ordre public. Sorti du village. Le préfet dit, les gens disent, je ne dois plus opérer dans le village. Ok. Je suis sorti du village. La semaine, là, les sorciers ont tué 10 personnes. Paf, 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 paf. Démonté. Ils ont mangé. Sauf Tiglidi. Tchétchera. Tchétchera, surtout. Ils aiment bien Tchétchera. Ils ont mangé Tchétchera. Bien. Ils ont commencé à crier. Il faut que le prophète revienne. On m'appelle. Les gens ont fait sitting, ils sont en train de parler. Les sorciers sont en train de tuer. De cette façon, j'ai commencé là. Je suis allé détruire les poudrières. Quand je suis arrivé, j'avais un arbre où ils ont caché tout. Parce que quand ils finissent la sorcellerie, là, ils vont cacher tout leur arsenal de sorcellerie dans un endroit de détection. Moi, maintenant, dans le village, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça le don. Je vous ai dit, c'est la détection et la destruction. Voilà. Je détecte et puis je détruis. Le monde spirituel, chacun a son don. Amen. Amen. Si un esprit passe tout de suite, je le vois. C'est le don que j'ai reçu. Oui. Si on doit te manger, je sais. Si on a déjà fait au marché, au courant, au marché, pour dire lui, il faut qu'il passe à la sauce. Je vois ça en même temps. Chacun a son don. Je suis allé, j'ai détruit ça. Non, ça les a dérangés. J'ai détruit dans le village. On dit, là, s'il continue à nous frapper. Or, je leur ai déjà dit dans le village, je vous attrape. Vous allez voir ça. Ils ont appelé le préfet, tout ça, menace. Inquiétez le village, il y a un problème. Il faut que le préfet revienne. Ça pleurait. Je suis venu. Tranquillement. Non, j'ai dit, moi, là, si je n'ai pas de Dieu, là, il va plus mes pieds. Mais si c'est de Dieu, vous allez me chercher. Ils m'ont ramené. J'ai vu ma main. J'ai dit, stop à la mort. Dans ce village, stop. Ils connaissent mon histoire. On a commencé à faire l'opération dans le village. Jusqu'à aujourd'hui. Dans le village, c'était carnage. C'est depuis qu'ils sont dans la région de. Aujourd'hui, la ville de Divo est bitumée. Je suis en train de voir les bitumes. Quand je quitte, ils sont en train de faire un reportage. Ils ont bitumé toute la ville de Divo. Divo est bitumée. Amen. Divo est bitumée. On marche dans la poussière. Bitume. Or, on avait déjà annoncé ça. Lors de la consécration du le président Seiko à Grévian, j'avais déjà prophétisé que le bitume va venir. Le Divo est bitumé. Quand ils sont en fait un grand reportage sur les bitumes de Divo. Or, Zaroko, Zaroko a une voix qui est venue à Zaroko. Donc, nous, voici comment nous travaillons. Nous travaillons pour le développement d'une région. Amen. Or, là où la sorcellerie est combattue, le développement s'installe. Parce qu'eux, ils sont anti-développement. Et dans la région de Divo, dans cette région de Dida, les gens ne s'amusent pas. Les sorciers tuent les gens. Ils ne s'amusent pas ça. C'est depuis qu'ils sont arrivés dans cette région que les sorciers ont commencé. On les a mis au pas. À la grâce de Dieu. C'est nous qui vivons tous les premiers sorciers. Parce qu'eux-mêmes les tuaient. Ils appellent ça article 11. Tu l'as tué, tu vas l'accompagner. Article 11. Ça y est, le cercueil est là, non. Toi, tu es en bas. On met le cercueil sur toi. Tu dis, on vous entend, mais si moi sur toi, c'est fini. Ah oui? Les gens ne jouent pas ça. C'est depuis que nous sommes arrivés là-bas qu'on a commencé à dénurer les sorciers. Les gens nous appellent. On a envoyé un sorcier à la gendarmerie. Et puis on envoie là, on les délivre. Nous, on va négocier les gens pour les délivrer. Amen. Amen. Donc, voici un peu notre ministère. Par la grâce de Dieu. Chaque homme de Dieu a une onction particulière. Quand vous ne comprenez plus quelque chose, vous devez chercher. Amen. Amen. Oui, on ne s'assoit pas. Quand on est dans les difficultés, on ne s'assoit pas. C'est ce que la Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive.
Il dit, lève-toi là-bas, il s'assoit. Il dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Amen. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Vous êtes tous une étoile. Dis amen. 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 C'est à cause de ça, votre ennemi l'a trouvé. Lorsque les gens ont vu l'étoile, ils sont venus annoncer qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Et où il a été troublé, lui et tout Jérusalem. À cause de votre étoile, votre ennemi, le diable, la famille est troublée. Parce qu'il sait ce que tu deviendras demain. Et ils savent. C'est ça qui ne vous laisse pas en paix. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire au cours de ce programme-là, le Seigneur m'utilisera pour te bénir. Amen. 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 Nous sommes ici dans un pays monarque, ici c'est le Maroc. Amen. Vous savez, Maroc, c'est trop symbolique. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à la royauté. Amen. Amen. Ici, c'est la royauté. Alléluia. Amen. Oui. Donc ici, est mieux placé pour vous consacrer à la royauté. Or, le roi, c'est celui-là qui ne fait pas d'effort. Vous avez voyé un roi souffrir. Tout ce qui est dans le royaume, pas tout roi. Tout ce qui est dans le royaume, pas tout roi. Or, l'Afrique du Nord, c'est le pont entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe et l'Afrique. Vous allez tout faire, vous allez toujours les réunir ici à l'Afrique. Amen. Amen. Donc, nous, c'est ce que je suis en train de préparer. Vous consacrez la royauté, vos argent qui les sorciers ont bloqué, là, pour que vous puissiez avoir ça. Vos, la vie bizarre, là, pour que vous soyez délivrés de ça, Amen. Pour que Dieu puisse vous bénir. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a mis à cœur d'organiser Rabat. Parce que si vous venez, c'est ce qu'il dit aux gens ici, on a la possibilité d'échanger avec vous. Amen. Amen. D'échanger avec vous, prier avec vous. Mais Crasso n'est pas la solution à votre problème. C'est Jésus. Amen. Ah oui, ça je vous dis la vérité. Amen. 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 J'ai vu les gens qui ont eu un cancer de cerveau qui ont été guéris. Quand une tumeur de cerveau qui a disparu. J'ai eu toutes sortes de miracles dans ma vie. Les messieurs, des papiers étaient perdus. J'ai dit, va regarder sur le lit, puis tous ces papiers étaient perdus. J'ai vu toutes sortes de choses, miracles. Je suis convaincu que Dieu est moi, ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Jésus a dit un jour, croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Je sais que Dieu m'a appelé, j'ai un ministère. C'est pour vous aider. Amen. Amen. À rentrer pleinement dans votre destinée. Et ça, c'est important. Amen. Ça fait la troisième retraite. Alléluia. Amen. Alors que Dieu bénisse, Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Vous n'êtes pas venu ici, c'est vrai que c'est un pays touristique. Oui. Il ne vit que du tourisme ici encore. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ça que vous envoyez ici. Non. Hein? Non. Laissez-moi régler vos petits problèmes de gnani gnani. Amen. Amen. Donc quand vous venez ici, laissez un peu de balade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vous donne le programme. Qui veut être délivré? Oui, la délivrance dépend. C'est ce que je dis aux gens. Comment vous faites que Dieu ne vous exauce pas? La manière. On peut venir à Rabat et puis rater sa délivrance. Causer, au lieu d'aller à l'essentiel, qui est la prière. Oui. On n'est pas venu pour ça. Ce n'est pas ce qui t'envoie à Rabat. C'est vous chercher Dieu de trouver. On dit, vous me cherchez, vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Nous sommes Amen. Là pour chercher Dieu. Et le trouver. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, c'est l'introduction du programme. Nous introduisons comme ça le programme aujourd'hui. Je pense que déjà le pasteur devait commencer déjà les prières de 4 heures, n'est-ce pas? Non? Donc demain, on va commencer les prières de 4 heures. C'est-à-dire cette nuit, on commence les prières de 4 heures. Je vous donne le programme. Amen. Amen. Celui qui ne va pas venir à cette prière sera sanctionné. Vous savez bien qu'on n'a pas de l'aurore. Je vous ça. C'est comme si c'est de le sang qui était déporté ici. Oui, tu veux dormir un peu au moins. À 4 heures. Non? À une certaine heure, on va organiser ça. À partir de 4 heures, vous allez vous réveiller dans les champs en train de prier. Je vous dis, vous donnez le programme. Parce que vous n'êtes pas venu pour ronfler jusqu'à faire grâce matinée. Non. Vous cherchez Dieu le trouver. Donc, à une certaine heure, à 4 heures, vous allez vous réveiller. Déjà commencer à prier jusqu'à quelle heure? 6 heures. Vous avez 2 heures. Je pense qu'on a le psaume 55. 55. Quand on le répond 21 fois, ça nous fait 1h30 minutes. Vous avez 2 heures.
Voilà, le saule, c'est... Le saule 23, c'est ça? Prophétique. Les gens ne peuvent pas répéter les saules. C'est dans la vie. C'est à quoi ça vous dit? Saule répond. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. Répond des choses. Voilà. Amen. Amen. Je pense que demain, tout le monde en jeûne. Nous jeûnons tous demain. Et nous allons tous couper à 18h. Amen. Amen. Nous allons tous couper à 18h. Comment ça s'est passé? Nous allons tous manger ensemble. La dernière fois, on a vu des gens qui disent: ah non, ils ne mangent pas les gens. Ils ne mangent pas les gens. On va essayer d'échanger avec vous. On fera un menu qui conviendra à tout le monde. Mais c'est important. Parce que c'est important, ça rapproche. On mangera ensemble. Il faudrait qu'on veille sur tout le monde. Quand on coupe le jeûne, on mange ensemble, on coupe le jeûne. On aura l'occasion de digérer un peu. Et puis je pense qu'à partir de 20h d'ici, on va commencer, n'est-ce pas, la recette qu'on appelle le programme. Il y a des enseignements. Et il est vraiment important pour nous de vous apprendre aussi les techniques dans la prière, les techniques, les choses, c'est un chose dans la prière. Voilà.